L, Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile, a tenu son assemblée générale, sous la présidence de Joseph Lucas, du vice-président Robert Coufanal, et du secrétaire Hubert Webé. L, Adrasec, ce sont des radioamateurs passionnés, qui se mettent bénévolement au service. Après avoir remercié les membres de L, Association, Barbara Netto, présidente de la communauté D, Artagnan en fait Zinzac, et Benoît Dezanly, conseiller départemental, Joseph Lucas a présenté le rapport moral. Il a aussi dressé toutes les activités de 2022, tandis que le trésorier, Jean-Claude Boudet, a présenté le bilan financier, qui était positif. Les deux rapports ont ensuite été votés, à elle, unanimité. Pour 2023, les projets ont été donnés, et notamment deux exercices sont prévus, avec la recherche de balises et la découverte de la mine. Deux exercices de communication sont au programme. Pour clôturer la séance, le président Joseph Lucas lance un appel. Nous recherchons des radios amateurs et des non-radios amateurs. Venez rejoindre notre équipe. Nous vous donnons également rendez-vous pour un exercice. Il se déroulera le vendredi 10 mars, sur le secteur de Vic-Feutzinzac. Nous interviendrons avec notre fourgon et deux R3 équipes, aux environs de 14h30. L, Assemblée Générale S, est terminée par un repas pris au restaurant Artagnan, durant lequel, la convivialité des participants était à elle.